people act on this field. Second, biodiversity and economy. And third, local engagement by the company and the reporting, CSR reporting. We have 180 members, more or less. And we have a team of 12 or 14 people, it depends on the moment. Our members include large companies, SMEs, local authorities, academic and institutional organizations, and NGOs. We develop a common vision with our members, integrating environmental best practices and tools, which we apply on a territorial scale. We provide guides, white paper, and methodologies, and we organize events. We share also the practices of our members. I am also the ambassador of circular economy for the Minister of Environment since October 2017. As an ambassador, my role is to lead the dialogue. I was the president of two national workshops. One was named Better Consumer, Better Produce. The other one was Employment, Training and Skills. My other responsibility was to define the French strategy of circular economy with the Secretary of State, other ambassadors, the senior officials, and elected people. I have to also represent, today, the government and to explain the French roadmap, the French law, to citizens, companies, and elected people. So I will begin now my presentation to speak about the law, the anti-waste and law for circular economy. This law is very, very new. It was voted for on some days ago, the 30th of January, so it's very new. I don't have time to describe to you all the definition of circular economy trends, but quickly I want to give you the seven pillars of this circular economy. It is not only about waste and recycling. We have seven pillars, it's very important for us in France. So I try to have the biggest picture here. I don't know where we can do that, perhaps because I have to read, sorry. On my screen. It will be explained in more this detail perhaps, just yes. After the speaker speaking. Yes, it's in the field of circular economy. Sorry. It's strange. For you it's okay. Yes. It's for me. I need a bigger screen. I need So, seven pillars, not only waste and recycling. For us, that is the end of the circular economy. Eco-design, symbiosis, product service system, responsible use, repair, reuse, refurbish, recycling, and sustainable apply are all very important pillars. Now, I will speak about how we are implementing circular economy in French policies. The first time we saw circular economy in the law was in 2013, sort of, I am tired, sorry, in the energy transition law context. We found it in the, it takes part of the climate plan launched in July 2017 by Nicolas Hulot. Nicolas Hulot is very known in France. I don't know if you know him, it was the former Minister of Environment. And Emmanuel Macron, our President, when he was not elected, spoke about circular economy. He said in the governmental program, we aim for a total circular economy, and circular economy is a true employment opportunity. After the election of Emmanuel Macron, France decided to make a French roadmap with Nicolas Hulot, and that French roadmap began in 2017 and finished in 2018.
there was a big organization around the French roadmap. There were 9 ambassadors as representative of the civil society. Yes, if I do that, it's better. Continue. Can you see? Yes, I can. I can do that. There were 4 large workshops that were organized to initiate national dialogue, 2 public consultations on the internet for the citizens, ministerial meetings. After that, there were a lot, because some points had to be related on this functional map inside the law. So the anti-waste law proposed is fourfold. First, consume better, because 53% of French people wish to consume better and differently. Stop plastic pollution, because only 26% of plastic packaging is collected and recycled. Make sorting more efficient, because only 50% of packaging carries sorting instructions. Develop local employment, because there is a potential source of 300,000 jobs that couldn't be recreated. For example, we are expecting new jobs in the construction sector and in the new economic models. You will find 4 major axes in this law. 1, stop waste to preserve resources. 2, mobilize manufacturers to change production modes. 3, inform for better consumption. 4, improve waste collection to fight against illegal dumping. The law has 4 titles. Title 1, strategic objectives for preventing waste production and consumer information. Title 2, fight against waste, fostering reuse and product service system. You can find product service system in the title of the law, but it disappeared inside the law after the debate in the parliament. It's a shame because it's a very important pillar of this law, but it totally disappears after the debate. Title 3, extended responsibility of producer and fight against illegal dumping. And Title 4, miscellaneous provision. Now I will switch to French. It's easier for me because I will enter inside the technical points of the law. Thank you for your comprehension for my English. I will continue. So, I don't know how to work with John, but we will try. Combien de phrases je dois faire pour que tu y arrives? But everything is translated in English, so I think you will perhaps follow what I say. So, dans le titre 1 de la loi et dans l'article 1, on va trouver les objectifs de prévention et de production de déchets. I can explain more or you can explain that? It's written in the title. It does work. So, the title explains exactly what's inside the first title. So, all is written. Yeah. On va trouver aussi dans... Yes? Charlotte, can you use the mic? Because we're recording, so... Okay. Thank you. Et on va trouver aussi dans cette loi des obligations sur la santé, sur le sanitaire. Objectives. Par exemple, sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits. C'est nouveau, ça vient de sortir. pour les femmes enceintes. C'est pas dans le texte. Especially endocrine disturbers, especially for pregnant women. And it wasn't present in the previous law. Dans l'article 2, on va trouver un gros point important de cette loi. Article 2, very important point. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de l'information du consommateur sur cette loi. Ça a beaucoup insisté sur ce côté-là. A lot of consumer focusing. What the consumer has to know before. Donc, en
va trouver une obligation pour les producteurs de communiquer sur un indice de réparabilité. Obligation for producers to inform consumers about the repairability of the products. Ça c'est à partir de janvier 2021, ça va arriver vite. Et aussi de durabilité à partir de 2021. Two main dates to retain, to keep in mind, January the 1st, 2022, next year, and January the 1st, 2024. Et ça concerne les équipements électriques, électroniques et médicaux, cette mesure. Concern electrical and electronic products and medical products. L'article 3 pour but d'harmoniser les règles de tri, parce qu'en France, il y a des tas de logos qui sont différents sur, pour le consommateur. Donc, c'est utiliser un logo unique qui s'appelle le logo Triman. The main subject regarding the third article is to use the Triman logo, which everybody knows about it. L'article 4 va être sur l'obligation de disponibilité ou non des pièces détachées et sur la proposition de pièces détachées issues de l'économie circulaire. The article 4 is about spare parts and their availability when you buy the product. Ceci va concerner les équipements électriques, électroniques et les biens d'ameublement. Electrical and electric products and housework products. Je n'ai pas mis tous les articles, sinon on aurait une présentation d'à peu près 4 heures. J'ai choisi certains sujets qui parlent à Auré et qui nous parlent. Mais il y a beaucoup plus de choses dans cette loi, je voulais quand même le préciser. We don't have, we won't discuss any, every and each articles. Nathalie just selected some pertinent and subject matter speaks to her. Donc la situation aujourd'hui en France, si vous êtes un consommateur, c'est que si vous achetez une machine à laver, s'il y a des pièces réparables pour 5 ans, 10 ans, vous allez avoir le petit carton 5 ans, 10 ans, mais pas le zéro. Demain, il y aura le zéro pour la disponibilité des pièces détachées. Today, when you buy a washing machine, you may be aware of the spare part products that can be available for your washing machine. Today, you are aware of a 5 or 10 years availability. Tomorrow, you will know about the 0 year availability. So when you will buy a product, you will know that you don't have any spare parts product available. Il faut un délai de 2 mois pour fournir aux vendeurs et aux réparateurs des pièces détachées. Demain, ça sera 15 jours. Today, we need. We have the manufacturer. Has a 2 month delay to provide you with the spare parts. Tomorrow will be a fortnight, 14 days. Et ils n'ont aucune obligation de vous proposer des pièces détachées issues de l'économie circulaire, à part pour le secteur automobile. Demain, pour l'électronique, l'électrique et bien ameublement, ils seront obligés de vous les proposer. Today they don't have to suggest you some spare parts products issued from the circular firm. Tomorrow they will have to. Le titre 2 sur c'est la lutte contre le gaspillage. Donc on a beaucoup trouvé de publicité qui a été faite en France sur le gaspillage sur les invendus non alimentaires. Le gouvernement a beaucoup appuyé cette mesure en termes de communication. Nowadays, we have a lot of advertising about the waste food, like state of mind actually, and we have a lot of promotion. Because it's a big issue today in France. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mesures sur le gaspillage alimentaire dans la loi, mais ils ont beaucoup insisté sur les invendus non alimentaires, tels que les vêtements, chaussures, équipements électriques et produits d'hygiène, ainsi que le médical. They insisted in this law on the non-food waste products, so medical or electronical and electrical products. Textile and shoes also. Parce qu'en France, on sait qu'il y a entre 16 000 et 20 000 tonnes de textiles qui sont détruits chaque année. Ça représente 638 euros de produits. So today, we have in between 6,000 and 20,000 tons of textiles which are just wasted a year. So it
like 600,000 euros of waste. Donc dans cette loi, on va trouver la création d'un label anti-gaspillage alimentaire, ça c'est pour l'alimentaire. Obligation d'élimination des invendus non alimentaires et obligation de leur réemploi, notamment par le don à des associations. Then we have to reuse the wasted products by donation mainly. Alors, vraiment, aujourd'hui, chaque établissement peut gérer ses invendus comme il le souhaite et souvent il est détruit pour des raisons fiscales. Demain, il va le donner à des associations caritatives. Et la taxe pour la TVA n'est plus obligatoirement... il y a un problème de fiscalité qui est un peu complexe, je ne peux pas l'expliquer. Mais en clair, ils ont changé ce problème de TVA qui était initialement déduite à rembourser si on détruisait pas, si on donnait. Donc ils ont ajusté la TVA aussi. So today, companies prefer to just destroy products because of tax reason. Tomorrow, they will be encouraged to donate them because of tax reason. Tax will be far, far different. Dans cette loi, on va trouver aussi beaucoup de choses sur la vente en vrac, pour favoriser la vente en vrac en France. Buck sales will be provided much more in a few months. On va trouver dans l'article 6 beaucoup de choses qui concernent the construction sector. Article 6 about the construction sector. Donc on va avoir une amélioration de quelque chose qui existe en France qui s'appelle le diagnostic ressources. C'est-à-dire quand vous avez des bâtiments très importants que vous démolissez, si la surface est supérieure à 1000 m², vous devez faire un diagnostic ressources. So in France, when you have to destroy a building 1,000 square meters bigger than that, you have to there are taxes, is that right? A diagnostic. You have to do a diagnosis, resource diagnosis. En fait, c'est regarder si les déchets que vous avez après la démolition peuvent devenir des ressources. They check the wasted products and see if it's reusable or not. Mais pour l'instant, il n'est pas beaucoup utilisé et donc ils vont l'étendre à des opérations de démolition moins importantes. They will extend that to smaller buildings. Il y a un seul problème, c'est qu'ils n'ont pas prévu de sanction dans la loi pour ceux qui ne le réaliseraient pas. On va aussi faciliter la sortie du statut des déchets pour les matériaux et les produits réemployables du bâtiment. La législation est française et aussi européenne pour la sortie du statut des déchets. Ils veulent simplifier cette réglementation. Pour que les déchets deviennent des produits. Waste products will become health products thanks to the enablement of waste products. Le titre 3. Donc dans le titre 3, on va trouver la responsabilité élargie des producteurs. IRP en anglais, c'est les filières REP en France. So in this title 3, LRP, for those who know, extended producer responsibility. Thank you. ERP, ERP. Oui, c'est ça. EPR en English, REP en French. Beaucoup de choses sur les EPR dans cette loi. On change vraiment leur domaine d'intervention. So here the fields are a bit modified. Ils étaient beaucoup sur l'aval, sur les déchets, et là il va y avoir des choses comme l'éco-conception, on va ouvrir leur domaine d'intervention. The focus was before on recycling. Afterwards, on the recycle. Now it would be before using the product. Just donc, to think about afterwards. Donc oui, c'est plus large. Et il va y avoir beaucoup de choses aussi sur la création de nouvelles EPR. Il va y avoir 9 qui vont être créées.
9 EPR will be created as listed here. Oui, donc je ne sais pas s'il faut que je les décrive, mais c'est les jouets, les articles de sport et de loisirs, bricolage, jardin, les engins de pêche, c'est-à-dire les filets en plastique, le tabac, donc les mégots équipés de filtres, les chewing-gums, les lingettes pré-imbibées pour usage corporel et domestique. Tu n'as pas besoin de les traduire parce qu'ils sont tous là. Et tout ça, c'est pour récupérer du plastique, parce que la loi a vraiment un focus sur le plastique. Et dans tout ce que, dans la plupart de ces filières que vous voyez qui sont mises en place, on va pouvoir retrouver du plastique. So all the EPRs are listed here, and actually the main focus is to retake some plastic materials out from these objects. Un des objectifs de la loi est de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025. By 2025, we will tend below to recycle 100% of plastic. Ça va pas être facile, on va essayer d'y arriver. Il y a aussi un article. Pour certains produits, il y aura un taux minimal d'incorporation de matières recyclées qui sera obligatoire. Parce qu'on sait que si on n'oblige pas les gens à mettre de la matière première recyclée dans les produits, comme elle est plus chère que les matériaux vierges, on n'arrivera jamais à développer ces filières en France. In this article as well, we aim to oblige manufacturers to insert recycled plastic in their production. Because plastic, recycled plastic is more expensive, so producers don't use it. So we will, will oblige them to introduce in that production recycled plastic. Do we have a date? Il va y avoir des décrets. Tout mettant en marché doit aussi justifier de l'impossibilité à intégrer une. Normalement, ils doivent tous intégrer une filière de recyclage. Sinon, ils doivent justifier pourquoi ces produits, ces déchets, ne rentrent pas dans une filière de recyclage. All the manufacturers will have to integrate a recycle circle. If they don't, they will have to justify rather than joining the recycle system. Alors, ces IPA vont avoir aussi à créer deux fonds. Un fonds dédié au financement de la réparation et un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ça, c'est aussi un autre accès de cette loi. C'est très tourné sur la réparation, le réemploi, notamment parce qu'il y a une grande pression des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour faire avancer le sujet. We aim as well to create two funds. The first one is to finance repair, and the other one is to, it will be dedicated to reuse and the funding of reuse, repair and reuse. Ils vont être obligés de créer des comités des parties prenantes, c'est-à-dire que la gouvernance de ces IPA va s'ouvrir et dans lequel ils devront avoir au-delà des entreprises, des metteurs en marché, des représentants des collectivités locales, des ONG. So a stakeholder committee will have to be created to reunite traditional representatives and environmental protection. Et il va y avoir aussi pour les filières soumises à REP, soumises à ces responsabilités élargies du producteur, des critères de performance environnementale qui vont être mis en place pour ce qu'on appelle l'éco-contribution. L'éco-contribution Article 9, mais je... Non, c'est la Financial Contribution from Producer. Ou du Related According to Environmental Performance Criteria. Donc ça s'appelle l'éco-contribution et elle peut aller jusqu'à 20% du prix hors taxe du produit. Until 20% of the out of VAT product price. Plus or minus. Voilà, c'est donc plus 20% du produit s'ils n'ont pas des bons critères environnementaux. Voilà. Moins s'ils font des, par exemple, ça va récompenser un fabricant d'un emballage plastique ou un fabricant d'un produit électroménager facilement réparable. If a producer plays the game, if he uses
recycled products, it will have his price lowest by 20%. If he doesn't think again, it will be 20% more. Jusqu'à, ça va pas. Until 20%. It's not because it's a lot of for the price. Mais ce n'est pas obligatoirement que du recycle, ça peut être tout ce qui est critères environnementaux. It's not only recycled, it's all environmental criteria. La filière REP BTP est aussi une nouvelle filière. Donc BTP is Construction Sector EPR. It's very new et ça fait partie des sujets qui ont donné beaucoup de lobby dans la loi. Et beaucoup de pression pour qu'elle ne sorte pas cette filière. A lot of pressure was put on the Article 9 and the EPR building sector because of the lobbyists. Dans cette filière REP, on va trouver plusieurs éco-organismes potentiels parce que dans le secteur de la construction, on va avoir du verre, du plâtre, des gravats, il va y avoir des tas de produits différents. Donc ça peut être plusieurs éco-organismes qui vont pouvoir être créés ou des systèmes équivalents si certaines filières étaient déjà organisées. We will have many anti-sectors regarding the building section because there are many of them, like glass or different materials. So they will be all divided. Et tu as dit que c'était qu'il pouvait y avoir un système individuel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas éco-organismes si les filières sont organisées. C'est très important. There will be an individual system as well. Ouais. Si les filières ont déjà créé leur propre filière de recyclage, elles ne seront pas obligées de passer par un système. If the companies have already created their own system, they won't have to follow this rule. C'est très important ce déchet du bâtiment parce qu'on a beaucoup de dépôts sauvages de bâtiments et beaucoup de tonnage de déchets qui ne sont pas traités. Donc, ils vont mettre en place aussi un maillage territorial pour que les établissements reprennent sans frais pour les particuliers ou les artisans ces déchets. There is a lot of illegal dumping here. So there will be a system of tax free for those who came again. Et évidemment, ce sera des sites toujours à proximité. And it will be very located site, very lovely, close to the companies. Un autre point important, comme je vous disais, c'était les plastiques. Donc, dans l'article 10, on va avoir l'interdiction de production de produits fabriqués à partir de plastiques oxodégradables. Ce sont les plastiques qui se dégradent sous l'effet de la lumière, qui deviennent tout petits, invisibles à l'œil nu, qu'on retrouve dans les océans. So, article 10, we will says that it would be prohibited to use the oxo-degradable plastic. It is the plastic that disappear almost with the light, and these little particles just can be found in the water. So fish and all the sea foods can show this plastic. Dans cet article 10, on va retrouver aussi des interdictions de mise sur le marché, ce qu'on appelle les emballages à usage unique. Et il va y en avoir plusieurs, alors je ne sais pas si tu les as, mais il va y avoir tout ce qui est gobelets jetables, assiettes en plastique, il va y avoir tout ce qui est touillettes à café, mélangeurs pour boissons, les emballages de fruits et des légumes frais, enfin, il y a toute une série d'interdictions qui arrivent à partir de maintenant. From now on, there will be prohibited the non-reusable cutlery, like the plastic flats or the cutlery, etc. All will be prohibited one after another. Mais on est allé plus loin que les directives européennes, hein, parce que on a un objectif d'interdiction de mise sur le marché de tous ces emballages à usage unique, tous d'ici 2040. All of them must be prohibited by 2040. It's a step ahead, like compared to the European Union. On a dans cet article 10 aussi des choses sur les biodéchets, avec une mise en place de tri à la source et une valorisation biologique des biodéchets pour les collectivités territoriales, les établissements privés, publics, tous les producteurs de biodéchets.
et ça va beaucoup impacter le secteur de la construction quand ils vont faire des éco-quartiers, etc. Ils devront avoir des lieux pour récolter les déchets. It would be compulsory to propose to new neighborhood places to buy waste. L'article 12 est sur la lutte des dépôts sauvages pour, en renforçant le pouvoir de police des maires. Article 12 is about the empowering the mayor power regarding the illegal dumping. Très important parce qu'on a eu, je ne sais pas si vous savez, mais cet été on a eu un maire en France, le maire de Signes, qui est décédé en empêchant un dépôt illégal de déchets. Donc ça a beaucoup sensibilisé la population à ce sujet. Cet été. Je ne sais plus quand. Je sais plus. This summer we had a big issue. A mayor just tried to prevent illegal dumping of happening, and he was killed. Donc c'est un sujet très. So it's a very important and emotional subject at the moment. Donc du coup, il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc on peut immobiliser, mettre en fourrière et confisquer le véhicule de celui qui dépose des déchets illégalement. So the mayor can immobilize or impound or search the vehicle. On peut faire, et l'amende peut aller jusqu'à 15 000 euros. The fine can be until 15,000 euros. Et puis celui qui a déposé des dépôts doit à ses frais les récupérer. And the person who just left the dumping will have to take it. En clair, au-delà des problèmes français, il y a aussi dans cette loi beaucoup de choses contre la sortie illégale des déchets à l'étranger. On a eu un conteneur en Malaisie qui a été bloqué. Le gouvernement malaisien ou indonésien, je pense que c'est en Malaisie, nous a retourné des déchets qui étaient arrivés illégalement. Donc dans cette loi, il y a beaucoup de choses pour prévenir ces déchets qui sont très mal traités derrière dans des conditions non environnementales. Those waste are very badly managed. A few times ago, Malaysia just sends back waste that enter Malaysia illegally and that. Voilà, je vous ai fait à peu près tous les articles. Maintenant, je vous redonne un peu l'historique. Donc, comment l'économie circulaire a progressé de façon très rapide en France ces dernières années. Donc, on a commencé par la French Roadmap avec quatre grands workshops. Nathalie explained about the main article she wanted to speak about, and now she will speak about the main step of the LOC project. So, four main workshops. Et ces workshops, c'était, j'ai eu la chance d'en animer certains, c'était avec la société civile. Il y avait des représentants des ONG, il y avait des représentants du patronat, il y avait des représentants des grandes filières, des grandes fédérations. All the different societies were represented. Et il y avait quatre sujets, un sur les plastiques, un sur le financement de l'économie circulaire, un sur sustainable consumption and production, et un sur les déchets et le réemploi. Là, c'est plutôt déchets dans les collectivités locales. Four main subjects. The first one about circular economy, the second about plastic, the third one, about sustainable consumption, and the last one, financing. Finance. En 2018, on a publié the French Roadmap was published. In 2018, the roadmaps were published. En 2019, il y a eu des échanges entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur cette loi. All during 2019, governments discussed about it. Et en 2020, commission paritaire le 8 janvier, et elle a été, ça y est, votée par le Sénat de façon finalisée le 30 janvier. And in January 2020, it has been still discussed at the commission paritaire, and then adopted by the National Assembly. Yes. Mais
Et par contre, une loi sans les décrets, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner, parce qu'il y a beaucoup de décrets qui doivent être écrits. But this law has to be followed by a decree. A lot of them. Because without them, the law won't be applicable. Et il y a des choses qui ne vont pas passer par la loi, heureusement, qui vont être des dispositifs de l'ADEME, d'accompagnement, des entreprises. Il y a beaucoup d'autres choses qui, évidemment, ne passent pas par la loi. Many things will have to be established by the law, so many statements will be able before the law, before the decree. Voilà, c'est fini. I was wondering, is this law only applicable for producers in France or for everywhere? Because if you have imported products, does it also apply? Comme les plateformes internet, les filières REC, les filières EPR sont pour les producteurs, distributeurs et e-internet plateformes, enfin, les plateformes internet, e-commerce. Voilà. Okay. So it's for everybody qui fait rentrer des produits en France. Okay. Do you think that from a European perspective, it will have an impact on the competitiveness of the firms, I guess, right? Also in terms of, the European market doesn't have the same regulation, so it's kind of like it's blocking the market. Alors, ça a été un argument qui a beaucoup été porté par les fédérations professionnelles et le patronat pour empêcher la loi d'avancer. It is an argument that has been raised Mais il a été argué, d'abord en Europe, tout le monde va vers ces lois-là, parce que clairement, beaucoup de choses de la loi française sont des transcriptions de directives européennes déjà. But European laws tend to go that way. The French law, it's somehow a dictation of the European law. Not only, but a lot of them. Et puis il y a aussi les consommateurs qui sont plus demandeurs de produits environnementaux. Consumers are more and more demanding on environmental products. It's possible. So it compensates parce que it's perhaps more expensive, but it's also in a good aspect. Thank you for an interesting presentation. Good to hear about the new law and especially some of the aspects which are, I think, new compared to other countries, like the focus on repairability and requirements to be made by producers to make repairability more possible than in the past. There's one other element. You talked also about product service systems, and there wasn't originally an element in it, but it was deleted in the public discourses or something. Could you explain a little bit more about what was happening there? What kind of forces were in place? Alors, it's complicated because je vais le faire en français parce que c'est pas évident. Les gens qui ont écrit la loi en France, il y a deux types de dans le ministère de l'environnement, il y a deux types de services. Hein. We have two different services that may write the law. Ceux qui ont été vraiment à l'écriture, c'est ce qu'on appelle la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques. We will call them the group one, who wrote the law. Probably the law. Et ils sont beaucoup plus déchets que nouveaux modèles économiques. And they are more focused on waste. On waste, yes. On waste. Transition zone.
some the other groups that is CGDD that is more open to new models and so on. Group number two is more open to all subjects. Malheureusement, c'est la DGPR qui a un peu gagné et le gouvernement, malgré nos actions à tous, n'était pas, disait que l'économie des fonctionnalités, product service system, il ne voyait pas ce qu'on mettre dans la loi. Alors, les. C'est trop long. Unfortunately, Group 1 was sustained by the government and the government followed by Group number 1. The senators were very involved to put that in the law. They tried once, two, but at the end they lost. So now they are only in the title. In the title. And we. And we don't find anything inside. It's a shame because as an ambassador I tried to put it inside, but the government said no, it's not in the law, it's more something else. Ils ne sont pas très ouverts encore à cette approche amont à part l'éco-conception. They're not very open-minded about the previous approach. On a beaucoup travaillé sur l'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire la symbiosis, mais ce n'est pas dans la loi. Par contre, l'ADEME a bien pris le sujet en France. They worked on the symbiosis part, but it's not written in the law. But the group number two works on it. No, l'ADEME. The French agency, you know, you don't know ADEME? The French agency of environment, they work a lot on symbiosis, but it's not in the law. Industrial symbiosis, industrial ecology. Industrial symbiosis, sure. Mm-hmm. And there is a lot of things about waste, something. But beaucoup de choses sur le consommateur qui sont quand même assez innovantes dans cette voie. A lot of consumer focus in this law, which is very important as well. Oui, and repair and reuse, a lot of things. So, it is not perfect, I don't say it's perfect. Some things are good enough, and some are not there. But, you know, a lot of debate between Parliament, Senate, government, it was very... And the different ministry of this government, because the Ministry of Environment is very motivated, but the financial ministry of France is not so motivated to put it very fast. I have one question. What was the parts that disappeared? What were they describing? Because honestly, I'm quite I have a double mind about product service systems, because it might. Il y avait quelque chose sur laquelle la France devait faire un rapport. I don't remember everything because you know a lot of version of this bill before the law. I don't know how much, but it was a lot. But I remember one by a senator that said we have to do a report each year, every year, on this product service system, how it is implemented in France. That was one of the points. We wanted to that the perimeter of the EPR was not only extended to eco design but also to eco product systems, such things like this, to pour qu'ils puissent pousser le multifonctionnalité, les éco-organismes. C'est facile à comprendre. Because the EPR now, they give money only on recycling. Towards they can give money for eco-design, but you wanted their help to In order to promote the development of economy of functionality. Alors, we say product service system. I don't know how you... product service system, I think. Economy of functionality, c'est pas apparemment connu. Voilà, so we didn't win this point. We tried. Last time, yes. Okay. Hi, thanks for the presentation. I'm really interested in this, I guess the fee being the varied fee of 20% for extended producer responsibility.
And I imagine then a lot more money is going to be now going to the eco-organizations if there's this huge fee differentiation. So my question is, will there be new requirements beyond recycling for the eco-organizations if they have so much new funding? Le but du jeu, c'est qu'ils aient pas plus d'argent. Le but du jeu, c'est qu'ils ont tellement peur que le produit devienne cher qu'ils mettent en place des critères environnementaux très importants, les metteurs en marché. Ils n'ont pas envie d'avoir à payer le malus. Donc, le but du jeu, c'est de les pousser à pas. It doesn't aim to make them earn much more money. It aims at not taxing them more. C'est clair? Yes. We don't want them to earn more money with the bonus, yeah, but to prevent them to have taxes more. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, le but du jeu, c'est de ne pas avoir à faire payer le produit plus cher. Là, c'est le consommateur qui va payer plus cher. Donc, le produit va être non concurrentiel parce qu'il sera plus cher que les concurrents. Et l'éco-contribution, même si elle va aux éco-organismes derrière, ils vont tout faire pour ne pas avoir à la payer. Je ne sais pas si c'est clair. It aims at letting the products not being more expensive. For the consumers, yeah. So that the producer will play the game and will have to fix the price at 20% more than the other ones. Et si vous pouvez traduire, je vais vous expliquer quels sont les critères environnementaux qui sont demandés maintenant aux producteurs. Ils sont très larges. So she will speak about the environmental criteria. Alors il va y avoir la quantité de matière utilisée. The amount of material used. Materials used for that issue. L'incorporation de matières recyclées. The use of recycled materials. L'emploi de ressources renouvelables gérées durablement. Facho. It's complicated to translate. To preserve resources. Ne pas prendre des ressources. The use of materials that preserves environmental. Non, c'est en fait des ressources. Voilà, des ressources qui sont raréfiées en fait. Merci, c'est ça, désolé. Alors, la réutilisation, la recyclabilité aussi. Reuse and refurbished products. La visée publicitaire ou promotionnelle du produit, c'est-à-dire des gens qui font des publicités pour pousser à la consommation. The advertisement part that aims at consumers buying the products and so the idea is to avoid. Yes, yes. Et ça va rentrer dans l'éco-contribution. L'absence d'éco-toxicité et la présence de substances dangereuses. The sanitaire. The sanitary point, meaning that no toxic elements are put in the products. Et la présence de substances dangereuses, je pense que c'est le pareil. Just to clarify, this calculation, this is applied to a special tax on products, or is it applied on the value added tax? Or... Oui, c'est la taxe qu'on appelle l'éco-contribution. Tu peux expliquer peut-être un salinaire? So you have the normal tax, price. And then you have, on top of that, you have these eco-contribution. Mm-hmm. And it depends on each product and the way in which it's produced, and it depends in the way, like, there's all the variables that they're explaining. I set the price, you know, up to 20% more. The consumer pays when he buys the product. Yeah. Mm-hmm. Yeah. You can see it in every product. When you buy it, it says TVA, which is the value added, and it says eco-participation. Eco-participation, yes. Yeah. And the consumer is fancy. It is less or the consumer is aware of that. Yes. At it was, pour le gouvernement, c'était très important de gagner ça, parce que 20%, ça peut faire très très mal. Ils n'iront jamais jusque-là, mais ça peut se faire. Sur le prix d'achat, c'est pas rien. 20% can be very important on the product price. Thank you again for the presentation. I was quite intrigued about the
illegal dumping and actions in France, but I understand that a lot of waste from Europe and also from France goes illegally to other countries, okay. Mostly in the global south. Is there any discussions around that, any ways to prevent such things from happening? It was a very important point of the law, and it is always with the EPR role. They have to look where the waste are going and they have to control that they don't go outside the country. And there are more, I think there are more police to control, more control on this road. It was one of the Title III, of this law, but it is very strong, this law. They don't want that anymore because the ad about that was very bad this summer or this spring with a Malaysian container. There was a container in Malaysia with a lot of bad things. They don't want that anymore. So it is included with the law. So I understand. So more policing is on that. So it's like more police, surtout sur les déchets en France, mais ils vont vraiment contrôler maintenant qu'il n'y ait pas de trafic illégal de déchets à l'export. But that's measured on the ports, not on the factories. Or how do you track? Les éco-organismes, les filières, sont normalement dans des éco-organismes. Les éco-organismes, tu parles français, qui suivent les déchets. Et ils vont avoir un rôle de contrôle à plus, c'est-à-dire d'essayer de voir si leurs déchets ouvrent leurs déchets, la traçabilité les suit avant qu'ils partent n'importe où. Donc il va y avoir déjà un peu de contrôle par les éco-organismes de leur filière. Après, je n'ai pas les détails encore parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites par décret, mais c'est sûr que c'est un point très important de la loi. C'est du contrôle interne, dans le sens où c'est les éco-organismes, les filières qui vont contrôler eux-mêmes leurs filières. So it's internal. Non, il va y avoir aussi, je pense, parce que dans le titre, c'était dans le titre 4, il y avait pas mal de choses sur des transpositions du droit de démarche européenne, et je sais qu'à l'époque c'était écrit, maintenant on ne le trouve plus, c'est pour ça que je suis un peu perturbée pour répondre. Il y avait vraiment écrit la lutte contre le trafic illégal de déchets. Je n'ai pas les détails de plus que ça de l'article 13, mais. Ça a été quelque chose qui a beaucoup fait débat pendant la... So just the conversation in French. Yes. So you have, like, initially you have internal control of all the potentially legal ways that can go out there. And then there is a complementary action that's external from the production of the waste. So it's still not clear how it really works in general, and they're still developing the text and the measures that, you know, they're going to take. Et ça paraît moins que dans une version précédente, donc ça c'est pour quand même la réalité. Avant c'était écrit noir sur blanc, maintenant c'est un peu plus diffus. Donc. Hein? Et oui, parce que tu as ces actions entre le Parlement et le Sénat. La loi arrive, elle sort au Conseil des ministres, le Parlement rajoute des amendements, le Sénat rajoute des amendements, et le Parlement en rajoute, et puis à la fin, ils finissent par se mettre d'accord. Et le gouvernement accepte des amendements. In your presentation, you said that you're going to support repair activities. You're going to incentivize repair. And are you going to support consumers repairing, or are you going to support companies that provide products that are easier to repair? How is this support to repair going to be deployed? I see the both of them, but we don't know, it's too early, the law is very new. But when we spoke about these things before, we said we can give money for the poor people, I don't know exactly the terms in English, but to have des chèques réparation, tu vois, des chèques pour aider à la réparation pour les familles à bas revenus. Some money for incentives.
perhaps it could be that, and c'est aussi de l'argent pour les entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pour développer des emplois. Or helps in some companies that helps and that give it out to people that need help, like It's so new that we don't know exactly what it would be. Aims and intentions, but the way you think will happen is not totally defined today. Yes. Oui, parce que les décrets, je ne sais pas comment on dit les décrets en anglais. Decree. There are so many decrees after this law. But the government is very pushy. He said you have 6 months to write the decrees. It's very fast. I don't know if they can survive because there are so many work to do that. But there are 6 months for the first decrees, for the first measures of this law. When there is something in 2024, they have more time. But for the first... yes, and so is there to everybody in the Ministry of Environment now is written and written. I think it's what's very interesting is that the consumer focus. Besides that, another question. I work with a plastic packaging company. Okay, so I worked in a plastic packaging company, and the problem that they had is that they said they don't have enough post-consumer rates and not enough recycled plastics available at the moment, even in Italy where they have a higher recycling rate. So the question, and also the first question, how do you make sure that there's enough recycled plastic available to meet that target? And the second question would be, at the moment, for food and beverage containers in particular, there's still the health and safety aspect that you cannot use, or that it's not, most of the PCRs, they're not yet admitted by the European health and safety regulations to be used for food products, while this has already been done in the US. So is there anything, I don't know, on the European or on the French level to make this happen? Because otherwise it's kind of impossible because there are two conflicting regulations. So il y a une question de la seconde partie de la question. Comment on peut être sûr que les pays, eux, ils ont accepté la grande majorité de plastique recyclé dans le packaging, dans le grand emballage plastique, pour pas avoir une en France sur la. Dès qu'il s'agit de la nourriture, le sanitaire l'emporte, mais il y a d'autres façons d'utiliser le plastique recyclé. Il y a beaucoup d'autres. Donc, pas directement en contact avec la nourriture. Pas directement en contact avec la nourriture. Il y a beaucoup d'autres façons de recycler le plastique. Et il y a beaucoup, vous l'avez vu dans la loi, de choses pour récupérer à travers les jouets, les produits de bricolage, tout ce qui est plastique dans les déchets, on va en récupérer beaucoup. C'est pour ça qu'il y a la création des nouvelles EPR. Voilà. La question, c'était par rapport à la quantité. Est-ce qu'il y a une quantité? C'est pour ça qu'il y a des créations de nouvelles filières pour récupérer du plastique. Donc ça va augmenter la quantité des plastiques. Parce que maintenant, on va les récupérer. Hein? Après, le problème, c'est pas que la quantité, c'est aussi la qualité. Le problème du plastique, c'est l'éco-design. Parce que s'il y a du plastique mélangé, on ne peut pas le recycler. So they've created new EPRs to extract plastic from waste. So this is the answer for the first question. They are creating EPRs to obtain more recycled plastic. For the other one, the problem is not necessarily the quantity, but also the quality. Because if the plastic are composite, yes. And we can't extract recycled. And the European and French law are very strict on that. When Dutch is sanitary and food, it's very, very strict. So that's an issue. You won't be able to use recycled plastic for food packaging. Yeah. I don't think so. Maintenant, on va voir ce que ça va sortir dans les décrets, mais je.
we'll see what the different numbers say, but it's... You know, for food, dans la loi, ils interdisent d'emballer avec du plastique bientôt les fruits et les légumes frais. They're gonna prohibit the plastic packaging for veg and fruits, fresh veg and fruits. Vous voyez, le but c'est de les éliminer, to eliminate them, not to put or recycle on them. There is something on the law about this. Sorry. Donc, I went to China 6 months ago. Every food, every vegetable is with plastic. That's crazy. In France, it would be forbidden. Good. I have a question related to the content. That's good. A question related to the contamination of plastic waste streams, which make it hard or sometimes impossible to use it for food packaging. Is there also any development on regulations or laws on deposit refund schemes to increase very clear single material streams of plastics, for example, with PET? Tu peux traduire? Oui, c'est la récupération des, par exemple, des bouteilles plastiques. Ah, la consigne. Ah, la consigne. Alors, I didn't speak, comment on dit, I didn't speak about deposit because, you know, we spoke only about deposit in France during the 6 months of the law. Against, for, because there was a very big debate around the deposit. Because in France, we have, on a des poubelles, we have bins, et les collectivités ont beaucoup investi dans des filières de tri. Des filières de tri de plastique notamment, et le seul déchet qui avait de la valeur, c'était les bouteilles de plastique. In France, we have recycle bins. Every house has a recycle bin, and France invested very much in that recycle bin because the only thing that was valuable in the recycle bin was plastic. These bottles are some value, and the local authorities didn't want the deposit because they said, now we pay, the local authorities, not the French, we pay a lot for this sorting centers, and now how do we do? And it was a very strong fight, between the government and the local authorities. And at the end, that is a compromise, I can say that, that now the local authorities have to try to attempt their goals to recycle 90% of plastic bottles, I think, because it's an European law, until 2023. If they succeed, okay. If they don't succeed, they have to put the deposit system. Okay. But now they have 3 years to try the extension of the consignes de tri. Il y a une extension des consignes de tri, tu sais, en France, on peut mettre plus de choses maintenant dans les poubelles. Je sais pas comment tu peux dire ça. L'extension des consignes de tri. Well, that's just for not just plastic, but different kind of plastics. Yeah. Okay. So they have to prove they can do better. If they do better, it's okay. If they don't do, they have a deposit system to implement. But they say also for the deposit system that they can do some experimentation dans les territoires d'outre-mer, je sais pas comment dire, in the island of France, like La Guadeloupe, Martinique, because there are islands, so there are good lands for experimentations. Donc il va y avoir des expérimentations et des collectivités, si elles veulent y aller, elles peuvent y aller aussi, les collectivités locales. Je sais pas si c'est clair. Well, yeah, experimentation in Ireland. Yeah. Okay. So the local authorities won. Voilà. But it was like the EPR in the construction sector, the second point that was very intense during the law. They are very mad about the government. Very, very mad. Anyone else?
Thank you. I have a more of a philosophical question. But actually, the last example was very good because it fitted very nicely in my question. Because my question is, what is the role of the state in all of this? Because in my reading of the circular economy, the state is not a player. Yet you can't do any of this without the state creating regulation. But you have also the state has the national state and the local state, and they are having fighting. So what is, in your view, the role of of government, the state, l'état, in all of this process? Is it necessary? Yes. Is it inevitable? is it a problem? Does it create more tension between levels of the state? What is your philosophy of this, the role of the state? It's complicated to answer, but we need a law. We need a law because in France it is always a mix of regulation, soft law, and the real law. I think. Les gens qui travaillent dans les filières de plastique recyclé ont dit au gouvernement pour que l'entreprise puisse aller survivre, il nous faut une loi. Regarding the use of recycled plastic in new products, factories, producers had to need the state to impose a law in order to have to use the recycled plastic in the new products. And because without the law, a producer could have done anything. They would have enough. The factories wouldn't have been efficient. So that was some companies that asked the government to do that. You know, they can't do that without the law. They need that. And for other example, we can find that the law is obligatory. It's not, it can't, it helps. It has to help. It is not here to end the system. It has to help. Another sector that was very demanding for the law, quite demanding people, was the ESS, Economic Social Solidarity, the social and solidarity sector. I don't know how you call it. Social sector. They wanted a lot of things, and they were waiting financial and so on to work on secular. Yeah. So it's the state is necessary. It is necessary. But there were before a big dialogue between all the parties, and it was very rich to speak together. So without the workshops and the dialogue, the national dialogue before this law, I think it will be more complicated to have this law. So if you want a law on circular economy, you need before big dialogue, workshops, and so on. It's obligatory. And you know, the deposit was not... The dialogue on the deposit was not enough. It's why the authorities and government, because the government said we will do that, and the local authorities said no, and it was not no enough discussion about this subject. So if you want to know about circular economy, you have to do a lot of things before. Yeah. Okay. That's it. I just had a question because I think you haven't mentioned it in the different articles, but there's
I believe, something about public procurement, an article, and I was just wondering what was the conclusion of the, what is actually in the law now regarding that. La commande publique? Oui. La commande publique? Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Alors, je veux bien, je n'en ai pas parlé, parce que ça fait partie des choses que je n'ai pas évoquées. Mais je vais trouver des choses. There are things about it. Mais qui ont été ajoutées en tout dernier lieu. Il y avait rien au début sur la commande. Il n'y avait pas grand chose sur la commande publique dans les premières versions de la loi. Ah, il y a quelque chose que je dis, c'est que les régions qui ont le pouvoir d'orienter, la définition des orientations en matière d'économie circulaire sur le territoire. The governance of circular economy on the local scale is the regional authorities. On appelle ça les régions en France, mais je ne sais pas comment ils appellent ça. Regions that are local territories. Local authorities, we call that regions. We have 22 of them. Comment on appelle ça chez eux? C'est des, comme les lands. Federal lands or federal lands. It's very important because the local authorities are involved in the governance of circular economy. Alors, là, je vais trouver, hein. La commande publique. Sorry, I need to find the slide. Alors, ok. Il va y avoir, pour la commande publique, favoriser les biens issus du réemploi, réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées. Non, mais c'est une nouvelle slide que je te donne. Ok. C'est about reuse, footage and use recycled products. Oui, mais pour la commande publique, c'est-à-dire les gens qui vont faire la commande publique. Tu vois ce que c'est la commande publique? Ah, bon. Commande publique en anglais, bien. For public procurement, only. Yes. They have to. So for public procurement, they have to. Favoriser les biens issus du réemploi, réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées. Recycled of roots products. For roots products. Ça peut aller de 20% à 100% pour les produits. From 20 to 100%. De l'intégration de matières recyclées, to integrate 20% to recycled material in the product. In the product for the public programs. It can be very high, but we don't know exactly now. Selon les produits, ça peut aller de 20 à 100%. Mais on n'a pas les détails. We don't have the details, so it's just a law. But they write that. Favoriser les produits issus du réemploi, l'utilisation ou qui intègrent des matières recyclées de 20% à 100% suivant les produits. Okay. So, reusability of the products, reusable products and also products from 20% to 100% recycled material in the product. Inside. Okay. Do you know which products already can solve the product? No. Possibilité de recours aux dons pour les personnes publiques afin de prévenir la production de déchets. Là, je peux les pour... Ça c'est. In order to prevent waste, they can use the donation. Et puis ils vont regarder aussi les critères environnementaux, gaz à effet de serre de leur champ. They will also look to the other environmental criteria such as. Et après, il y a des choses plus diffuses, comme des pneus rechappés pour leur véhicule, pour l'utilisation de leur véhicule. Il
va y avoir des, on parle toujours à la public procurement. Il va y avoir des choses sur les bouteilles plastiques qu'il ne faut pas utiliser, à part dans les établissements publics, des choses comme ça. There were also state about the not using the plastic bottles or special tires. Des petites choses, small things inside the room we can find. But in the whole process, so if there was nothing in the beginning and now they put this. There were a lot of things in the French roadmap about public procurement, but the first bill, the law, there was nothing. And at the end of the bill, appeared some points on the public procurement. But if you read the French roadmap, you can find a lot of things about it. Yeah. But in the law, in there. Just that. No, not in 2026. Okay, thank you. I heard too many questions. Yeah. Just a very practical question. Is there maybe a website showing this roadmap and everything, the backgrounds, but in English? Yes, it exists in English. The French roadmap exists in English. You can find it on the website of the Ministry of of environment. You can find the law, you can find, perhaps not the law in English, it's too soon, I think, because it is really, really new, but you can find it. And if you don't find it, you can tell me now, I think I have an English version of it somewhere in my office, so I can send it to you. Have you already heard anything, like, for instance, from China? I mean, the products are maybe not, in terms of repairability, is not guaranteed. So would that mean that they can just not be imported anymore in the future? Like, I don't yes, they pay the malus, you know. If these products enter into EPR, inside the EPR system, they will pay the malus. Yeah. They have to pay the malus. But, you know, au-delà de la réparabilité, il y a vraiment quelque chose pour ces produits-là qui est d'interdire la destruction des invendus. Beaucoup de ces produits étaient détruits parce que et le fait qu'il y ait l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires, notamment sur l'équipement électrique et électronique, c'est quand même quelque chose qui va faire un problème. We found the reparability, to focus on the not destroying the not used products. Because it's an interdiction. Yeah, you cannot destroy them anymore. You need to actually kind of it's the whole disassembly kind of part of it. And yeah, it's forbidden. Parce que ils ont vraiment visé à un moment les plateformes d'e-commerce hein, qui appellent à l'obsolescence programmée, qui détruit chaque année des millions d'invendus. Donc là, c'était vraiment ciblé à un moment sur les plateformes e-commerce. C'est pas neutre, hein, c'est ceux qui poussent à l'obsolescence programmée. Il y a eu des scandales avec détruisez vos vieux iPhone, en achetez d'autres. L'obsolescence qu'on appelle aussi l'obsolescence des marques. Donc on a parlé de publicité avec Sabrina tout à l'heure, mais il y a en ce moment, traduit d'abord ça, mais après je parlerai de la publicité, c'est intéressant. Yeah, so it's all about the obsolete, program obsolescence. Of the brands. And it's not just kind of the product itself, but the brand, the kind of marketing for destroying the thing, so. Et il y a vraiment un groupe de travail, c'est ça que je voulais que vous traduisiez, je ne sais pas qui. Il y a un groupe de travail en ce moment, et là c'est la French Roadmap, c'est une mesure de la French, qui disait qu'il faut regarder, que les publicités, on l'a dit tout à l'heure, mais ils sont vraiment en train de regarder cet aspect
publicité qui pousse à la consommation. Ça, c'est vraiment aussi sur la communication, quelque chose qu'ils vont beaucoup regarder. C'est important parce que c'est nouveau. So market and well, marketing strategies and publicity and all that, they are looking at the ones that actually promote the recyclability, blah blah, all that, because well, you have a bunch of them, of those that promote consumption and don't allow, you know, the side of you're promoting consumption by new products, and at the same time they are discouraging people from recycling, repairing, blah blah. So kind of on those two sides. And will the new law say anything about those communication strategies that you're mentioning? Like if there's a des communications. Yeah, yeah. Alors, ça en parle dans les critères pour les EPR, dans le malus bonus, mais ça, c'est aussi quelque chose qui était dans la feuille de route française. Yeah, so it's on the circular economy roadmap of France. It's all kind of details on how they. It's also in the law, in the eco-modulation of the price of the product by the EPR. There is something about how they... The communication strategy. Yes, they communicate. If yes, there is something here too. You find the subject in the French roadmap, and there is a workshop about it now in France with... Thierry Libert is the president of this group. He is going to see how in different countries in Europe you do that, you do ads, communication about the products, and he has to write a report after that. And there is also some things for the EPR actors. So it's important for this subject. I have one question, and it's an easy question, so everyone understands. It's about the quantity of non-biodegradable synthetic chewing gum. Is that representative? It appears very late. We don't know where it is coming from. I don't know if it is. Tu sais, Ariès, we don't know. Because before, we only had building waste. No, building waste, what in the project? Toys. 14 articles, gardening items, and at the end we can find now a tobacco was very a subject at the Secretary of State Group Poisson likes a lot the cigarette and tobacco products. It was very but the tumor, I don't know. It appears at the end of the bill, I don't know. Which senator or which deputy? Comment dit député en anglais? C'est pas député d'ailleurs, c'est si, pareil. Which deputy wanted to do that? It's strange. I don't know how they were. Pollution in the streets. To watch the pollution in the street. Yes, c'est comme les négo. I think they want that the producers of this products pay to nettoyer, ça y est, to clean the streets. For the tobacco products, is that they have to pay to clean the streets. Yeah, to clean the beaches too, parce qu'il y en a beaucoup sur les plages, ouais. Mm-hmm. It's new. Okay. So, are you chewing gum? It's not the more essential program we have, I think. The chewing gum in France, I think we have another one, but.